Bon, cette fois, trop, c'est trop. Qu'est-ce que... Karen, t'as pas honte de passer autant de temps à te regarder? Quoi? Se donner autant d'importance avec tous les malheurs qu'il y a dans le monde, c'est obscène. C'est indécent. Tu t'en rends pas compte, ma pauvre Karen. Pardon, mais je... C'est même dangereux. Tu pourrais finir comme Narcisse. Non, mais pour qui tu me prends? Et puis pour qui tu te prends, toi, d'abord? Je te ferai remarquer que sans moi, t'es rien. Comment t'oses me parler comme ça? Ah, ma petite Karen, fais bien attention. Si tu continues comme ça, tu peux me dire adieu. J'ai vraiment plus envie d'être à ton image. Parce que tu crois que tu peux me quitter? Ben voyons. D'ailleurs, c'est moi qui m'en vais. Je suis en retard. Un poète a écrit que les miroirs feraient bien de réfléchir un peu avant de renvoyer les images. C'est précisément ce que j'ai décidé de faire. Je te pensais pas si cultivée. Je m'instruis grâce à toi. Karen! Youhou! Je suis là! Ça va, Madame Karen? Vous êtes fait mal à la cheville? Tu me provoques, hein? C'est pas ça, mais j'ai décidé de prendre un petit peu de temps pour moi. Tu devrais pas t'en plaindre, ma chère Karen. Ce qui est bon pour moi est bon pour toi. Mais comment je vais faire pour me maquiller? Ça, fallait y penser avant. Tu crois que je peux rien faire sans toi? Tu te crois indispensable? Tu verras, je saurai bien me débrouiller. Chiche! Désolée de vous interrompre. Mademoiselle, c'est bien vous qui faites le maquillage des autres comédiens? Oui, c'est moi. Vous voulez bien venir dans ma loge? Moi? Bien sûr, j'arrive. C'est quoi déjà votre prénom? Alice. Je m'appelle Alice. Eh bien, Alice, voilà. J'ai oublié mes lentilles de contact et je ne peux pas me maquiller moi-même comme je le fais d'habitude. Ah, et donc vous voudriez que je vous maquille? Voilà, vous avez tout compris. Écoutez, avec grand plaisir, Madame Karen. Très bien. Faisons cela sur cette chaise. Le miroir n'est pas utilisable. Il déforme. D'accord. Allons-y. Oui. Je suis ravie de travailler pour vous et de pouvoir vous aider. Et puis vous êtes différente de ce qu'on dit. Ah bon, et qu'est-ce qu'on dit? Oh bah rien de méchant, je vous rassure. Mais vous êtes une très grande comédienne. Donc les gens ont tendance à penser que vous êtes un peu... Pimpèche? Ah non, non, pas du tout. Bon, en tout cas maintenant moi je vous connais. Et je sais que c'est pas vrai. Et je vais leur dire. Thank you.
Rebonsoir. Bonsoir. Vous avez été magnifique ce soir, comme d'habitude. Mais pour vous démaquiller, vous auriez dû me demander. Vous aviez mieux à faire avec vos amis. Justement, je voulais vous proposer de vous joindre à nous. Merci, mais je suis fatiguée. Et je voudrais pas vous déranger. Ah bon, je comprends. En tout cas, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas. C'est ça. Toi aussi, tu vas m'abandonner. Toi aussi, tu vas me laisser seule. Ma pauvre Karen, je voulais vraiment pas que t'en arrives là. Ce que t'as voulu, c'est me donner une leçon. Et crois-moi, t'as bien gagné. Te donner une leçon? Peut-être. Mais pas au sens de gagner, de l'emporter sur toi. Je voulais juste que t'apprennes quelque chose sur toi-même. T'as raison. C'est bien différent. Alors, t'en penses quoi? Pas mal. Tu minaudes encore un peu, mais bon, Paris s'est pas fait en un jour. Demain, on essaiera de passer en dessous de 5 minutes. En dessous de 5 minutes? Bon. Ma foi,